Camélia Jordana, dans On n'est pas couché, elle dit les Noirs et les Arabes se font massacrer par la police. À l'époque, on parlait de bavure policière, aujourd'hui, on parle de massacre. Et à l'heure où on se parle, je vis en banlieue parisienne. Oh, en bas de chez moi, il y a une pancarte, c'est pas une blague. En bas de chez moi, il y a une pancarte avec une flèche écrit rinté dessous pour t'indiquer où te fournir en drogue. Et tout le monde s'en branle. Une mère de famille, quand elle rentre avec ses enfants dans le bâtiment, elle est beaucoup plus dérangée par l'odeur de pisse et de shit que par la voiture de police, crois-moi. Et la police n'est pas une couleur de peau, Camélia. Je sais, ça fait un choc quand tu t'en rends compte. Il y a tout dans la police. Et je vois mal un flic arabe me dire je me suis engagé dans la police pour massacrer d'autres arabes. Ou alors il faudrait l'exorciser. Massacrer en allant au travail. Moi j'ai entendu ça, j'étais pas bien. Le lendemain je prends les transports, je vois plein de noirs et d'arabes autour de moi. Je dis vous faites quoi les gars? Ils me disent on va bosser. Je dis mais vous êtes malade ou quoi? On peut se faire massacrer. En tout cas moi je suis un jeune homme noir tatoué. Est-ce que je me sens menacé par la police? Non. Est-ce que je côtoie la police tous les jours en banlieue et à Paris? Je les croise tellement que j'ai l'impression de me faire escorter. Est-ce que j'emmerde les gamines du show business qui connaissent rien à la vraie vie, qui nous font passer pour des victimes éternelles? Oui.